hier, c'est Gary Conille, docteur Gary Conille, qui tournait nouveau premier ministre dans le pays d'Haïti. Donc d'abord, et après 6 semaines de débat, dans New York, côté que c'est l'histoire qui t'a déroulé, l'histoire continue à dérouler toujours, parce que c'est la première fois dans l'histoire que un président américain, eh bien, l'a jugé dans un procès criminel, dans un procès pénal. Donc pendant six semaines de débat, il parle en pile de l'argent, il parle en pile de sexe, de politique, de campagne électorale. Et qui ça bagarre là? C'est qu'en 2016, pendant la campagne électorale là, eh bien, ancien président Donald Trump t'a fait une tentative, ou bien t'a acheté silence, et vedette porno, Stormy Daniels, $130 000. Donc c'est Michael Cohen qui c'était avocat, et Zamintou qui t'a bail et star porno à Cobla. Et Konya, et ça vient tourner un gros causé, c'est un crime ici aux États-Unis parce que il y a falsification là-dedans et des cahiers comptables. Donc bagage ça vient la justice. Donc pendant 6 semaines, c'est ça qui était discuté et jeudi a arrivé dans une phase finale. Phase finale parce que hier, c'était ça les arguments finaux. Argument final là, c'est côté que et avocat défense là lui-même l'a présenté et eu un plaidoyer, l'a présenté fait et l'a essayé convaincre 12 membres et jury. Gain 12 jurés, donc 12 membres jury, gain 7 filles avec 5 garçons. 7 filles avec 5 garçons et yo trouvé yo dans 15e étage tribunal là. Ancien président Donald Trump te paraît matin, hein? Monsieur te levé men, poil en l'air, secoué men, c'est un coup en forme de victoire. Et pendant que délibération a fait tout, eh ben, il te parlé avec la presse, donc, comme d'habitude pour dénoncer, parce qu'il dit ça qu'a fait là, tout le monde d'accord que ça qu'a fait là, c'est persécution politique que l'elle va gagner pour l'ouest avec la justice. Et je dis, à un moment, on a parlé là, c'est les délibérations qu'a fait au niveau 12 membres jury. Principe là, pour ancien président Donald Trump condamné, faut rejoindre tous 12 membres jury, tous membres jury, eh ben, il est d'accord que, eh ben, monsieur coupable. Question que, qui devant jury, c'est question ça, on peut répondre tous les 12. Est-ce que ancien président républicain Donald Trump coupable pour 34 falsifications de documents comptables pour le débat Stormy Daniels, $130 000 pendant la campagne électorale en 2016 en face démocrate Hillary Clinton. Donc, processus là, ou bien procédure, si vous voulez, eh bien, c'est d'abord deux parties, gagné d'abord avocat défense là, et avocat défense président Trump là, qui montrait que, eh bien, pas aucune preuve qui t'a qu'à montrer que, eh bien, président vraiment t'est falsifié et qu'a est comptable pour t'es cabaye Stormy Daniels, $130 000. D'ailleurs, c'est pas président d'après eux-mêmes, c'est pas président qui est Bailey, c'est Michael Cohen. Michael Cohen, c'est un gros témoin pendant des bails. Et c'est après, en 2017, le président entré dans la Maison Blanche que, eh ben, il fait arrangement pour, eh ben, monsieur Michael Cohen, t'es qu'à joindre Cobla en retour, $130 000. Pour avocat défense, ça veut dire avocat équipe, batterie avocat cap défendre ancien président. Il dit que Michael Cohen, qui c'est plus gros témoin, il dit c'est plus gros menteur qui existait. Monsieur te baï menti et Michael Cohen était d'accord tout que il te baï menti pour ancien président Donald Trump, laisse ça te quoi contre Figaro et il était d'accord que c'est menteur. Donc c'est lui-même il d'accord qu'il te baï menti et avocat défense pendant dans argument final, il te dit que monsieur c'est un menteur. Donc, il dit, il n'y a pas de preuve. Donc, si il n'y a pas de preuve, il est difficile pour vous condamner. Et puis, gagner procureur. Donc, avocat de France, il a passé 3 heures de temps, lui-même. 3 heures de temps, côté, il a essayé de convaincre membre jury. Et puis, gagner et procureur avec Joshua Stein, ou bien prononcer Stein, ou bien Steinglass. Eh bien, lui-même, c'est procureur, lui-même, c'est un coup avocat accusation. Donc même, il a montré qu'il y a que son bagage qui est clair, que président, ancien président, t'es dans faute, il fait ça qui passe, donc il a demandé condamnation pour lui. Si on joue un coupable, eh bien,
Et bagala pral chavirer là son campagne électorale qui pral chavirer, pas oublier que nous non année électorale 2024 là et que ancien président, li pratiquement nous dit pratiquement c'est lui qui pral représenter parti républicain dans élection qui gagne pour dérouler 5 novembre 2024 là. Donc année ça qui en face, il pral en face et Joe Biden, il pral en face Joe Biden qui lui-même a représenté parti et démocrate là. Donc c'est deux personnes âgées avec Joe Biden qui a 81 l'année et puis et Donald Trump lui-même qui a 77 ans. Donc dans le moment on a parlé là, c'est en pile débat et qu'a fait et devant tribunal là nous avons Valério Saint-Louis lui-même qui devant tribunal là qu'a suivre pour nous situation. Donc et question qu'a posé qu'on y a qui gens procédure là pour délibération. D'abord membre jury faut rejoindre à l'unanimité. Depuis qu'ils joignent à l'unanimité et que ils joignent ancien président coupable à l'unanimité, ça veut dire sans manquer yon, tous les 12 moun yo, tous les 12 membres jurés et 7 garçons et 5 filles, eh ben yo pral voye le bay juge là Ron Merchant. Ron Merchant lui-même li gagne des possibilités pour ancien président condamné pour 3-4 ans prison. Mais juge là tout gagne ça yo ta rele pouvoir discrétionnaire dans niveau ça côté que il capable prendre une solution alternative côté que yo pas mettre en prison vraiment et que yo fait une autre bagaille. Donc tout ça nous pral connait nous arrivons en phase finale et on dit que après un nombre de temps si par exemple même jour yo fait débat yo tergiverse yo pas ca joindre un résultat et ben vinn gon l'heure que y a camper et y a pour recommencer encore. Et il y a pour recommencer encore et un coup et à zéro. Donc tout ça nous pour là maintenant on a parlé là tout focus là sous New York côté que eh ben a gagné délibération qu'a fait dans moment on a parlé là côté que monsieur Damzayo il est dans 15e étage tribunal là dans Manhattan. Hier nous t'ai gagné un spécial sous ça qui t'est passé hier parce que t'ai gagné 8 heures de temps et 3 heures de temps pour avocat défense, 5 heures de temps pour procureur, bien que discuter gan pile commentaire qui fait spécialiste fait commentaire sur pour qui ça que défense la gagne 3 heures de temps et que procureur gagne 5 heures de temps donc son l'autre cause en quoi c'est donc gan pile technicalité dans question procès ça et donc c'est un bagaille tête chargée qui gagne politique la donne qui gagne sexe la donne qui gagne l'argent la donne qui gagne paquet cause la donne. Et yon nan gros témoin tout qui soit dit en passant que Stormy Daniels lui-même qui lui-même t'est venu faire des positions tout côté il parlait de sexe qui j'en ai fait sexe là avec ancien président, il parlait de préservatif que ancien président pas voulait mettre, il dit que son bail disgusting, son bail comme si qui pas te faire plaisir. Donc c'est ça que il dit mais et c'est des accusations que ancien président Donald Trump toujours rejeté, il dit que Tigran Mounsa que Stormy Daniels que le considérer dit son monde qui sous monde il va t'en causer comme ça va te gain bail comme ça du tout. Donc ancien président toujours nier causer ça. Donc c'est un grand point qui a dominé l'actualité, si c'est pas plus gros point qui a dominé l'actualité surtout l'actualité concernant pays d'Haïti. C'est pas pays d'Haïti, les États-Unis veulent dire. Donc ça veut dire nous-mêmes dans service que là nous hier n'a pour que hier nous commencé programme avec question ça, c'est sûr qu'après-midi encore, nous gagnons sous place Valério Saint-Louis qui a suivi pour nous de très près. Et puis dans le pays d'Haïti lui-même, c'est Gary Conné, 58 ans, qui tournait nouveau premier ministre dans le pays d'Haïti. Et t'es gagné 7 membres qui étaient là dans le moment et yo t'a pris décision. Gagné 2 monde qui partent là, yon qui gagne droit de vote, yon qui pas gagne droit de vote. C'est d'abord Laurent Saint-Cyr, qui c'est représentant secteur privé qui partent là. Yo nouvelle yo pas dit pour qui raison le pat là, est-ce que le te gain droit pat là et nous t'étendre quelques monde qui pas vraiment en mesure pour te dire nous qui raison. L'autre monde qui pat là tout c'est Régine Abraham c'est fait partie de deux membres observateurs qui pas gain droit de vote. Donc sous 7 membres qui étaient là, il y a 6 membres qui votaient donc pratiquement à l'unanimité parce que gagne yon qui était là qui pas de droit de vote. Donc Gary Conné c'est une figure connue parce que il était
Il était déjà premier ministre avec et sous président Martelly. Eh ben là ça on t'y a passé mal entre eux parce que yo pas capable entendre vraiment et que finalement et docteur Guy Koni par l'autre choix de et démissionner. Et les mauvaises langues disent bon définitivement pays ça son pays qui gagne chance avec docteur parce que ancien premier ministre et Ariel Henry c'est un médecin un neurologue qu'on y a nous gagné et nous gagné qu'on y a Guy Koni qui sont l'autre mais c'est son fonctionnaire international qui gagne plus de 20 ans d'expérience monsieur gagne 58 ans et les gon compétences dans la science du développement et parce que le pratiquer les travaille pour Nations Unies, il travaille pour un paquet organisation non gouvernementale et nan Carrelli, monsieur était directeur régional UNICEF pour Amérique latine à Caraïbes ou bien lycée directeur UNICEF pour Amérique latine à Caraïbes depuis janvier 2023 et donc actuellement là les responsables direction et la fait supervision à orientation dans 37 pays 37 pays et territoires, côté le représenté UNICEF auprès du gouvernement Sahio, avec donateurs, secteur privé, société civile dans la région. Avant ça, il était coordonnateur résident dans le bureau, par exemple, il était dans Jamaïque, côté le couvrir Jamaïque. Dans bureau ça a couvert Jamaïque, Bahamas, Bermude, et les îles Turques et Caïcos, et puis les îles Caïmans. Et puis il était coordinateur résident dans Burundi donc il gagne un cadre de visite impressionnant et fond du tout pendant dans époque tremblement de terre 2010 là il était chef cabinet envoyé spécial Nations Unies et il était travaille tout dans reconstruction GFOYO pour pour reconstruire Haïti donc c'est pratiquement Guy Koni pas un inconnu. Et monsieur déjà font tweet li remercier tout le monde qui t'a supporté notamment diaspora qui t'a supporté qui t'a patronné même et candidature mais ça qu'on y a c'est Guy Koni. Guy Koni qu'on y a li pral prend fonction et gros bagay captain ni c'est définitivement question sécurité et question sécurité c'est dans moment tout que gagne force et ou ben mission multinationale pour sécurité pour aider dans sécurité pour appui sécurité dans pays d'Haïti et ben gagne un pile petit hésitation qu'a fait bien que et ben tout porte à croire que il va venir très bientôt le 23 mai gagne une délégation qui vient logistique gagne problème logistique et autres mais gagne bagaille qui continue à faire d'après les derniers renseignements nous t'ai pris avec correspondant nous dans Port-au-Prince et ben l'armée américaine continue à porter un pile matériel pour police nationale là et gagne discussion qu'a fait tout sur qui est qui pral déloger gang yo qui continue à faire des ordres à semer la terre et notamment gagne tout réaction qui continue à tomber après coupe missionnaire américain ça qui et que gang yo assassiné dans pays d'Haïti et puis te gon haïtien tout qui la donne donc ça fait 3 donc grand pile discussion qu'a fait même au niveau États-Unis parce que eh ben position ambassade américaine côté que t'es sollicité pour te faciliter qu'a sauver mon il dit pas gain moyen et donc c'est autant de réactions qui continuent à tomber donc docteur Guy Koni qui c'est pral nouveau premier ministre lui-même li pral gagner pour lui et attaquer problème insécurité. C'est le premier problème et que la gagne pour l'attaquer parce que rien d'autre pas qu'à faire sous pas gagne sécurité d'après toute sa spécialiste yo dit. Gagne réaction en pile réaction favorable qui soutient en faveur docteur Guy Koni et mais gagne moun tout et pas tout monde qui d'accord. Gagne moun il pas fait totalement l'unanimité, gagne moun qui dit que son bouillon réchauffé parce que tout simplement il était premier ministre ancien président Michel Martelly il dit son bouillon chauffé gagne même côté qui a fait référence à un petit problème légal dans la question donc c'est autant de points que nous n'avons pour aborder avant dans l'autre occasion sous docteur Guy Koni mais en attendant grand pile réaction favorable qui sorti gagne qui défavorable tout gagne par exemple gagne monde qui croit que yo même pas croit dans système ça système côté qu'on gagne 9 monde comme et qui formait un conseil et présidentiel de transition et avec deux qui pas gain droit de vote, il y a pas quoi ouais trop monde. Et il y a monde qui croit que c'est tout simplement pour aller dans cour de cassation parce que fait expérience cour de cassation déjà et il pensait que le tabay
plus résultat. Gen moun tout qui dit que eh ben Gary Conné c'est l'homme de l'international et gen moun qui pose question ça. Donc gen pile question qu'a posé en attendant que eh ben docteur Gary Conné qui pas en Haïti pour le moment qui à l'étranger de Cap gen pour le retrouver et pays a très bientôt. Donc n'a suivre nous-mêmes et n'a essayer ouais dans quelle mesure que éventuellement nous d'être capable d'une interview avec elle pour les capable dire ça que j'ai écouté mais mon cap observateur cap suivre situation et l'autre monde spécialiste mon cap faire analyse politique dit que eh ben feuille de route pour le ministre déjà là donc c'est ajustement seulement quelques tirages ou que pour le ministre a bien pour le faire mais au fond et feuille de route li déjà là et notamment sécurité, insécurité à pour tacler et moun qui déplacé yo et modification bien remaniement ça pour le faire dans constitution pays a et puis camper en conseil électoral provisoire et puis et 7 février 2006 pour 2026 pour capable remettre pouvoir il y a qui ont équipe qui est démocratiquement élue et donc c'est pratiquement ça en gros nous devons voir avant parce que nous devons dire qu'il y a deux gros points dans l'actualité. Premièrement, procès historique et ancien président américain Donald Trump qui a déroulé là, il est arrivé dans une phase finale côté qu'on y a dans le moment par la voie là. Et bien, c'est délibération qu'a fait au niveau des membres du jury après argument final qui était fait hier côté défense là pendant 3 heures de temps. T'es présenté argument pour les mandé jury a pas condamné Donald Trump et puis t'es gain procureur t'es gain qui gain 50 ans pour dire que eh ben monsieur t'es fait ça qui pas ça eh ben faut condamner il a besoin tout membre jury si yo grain là dedans dit non eh ben yo pas condamner et question y a posé est-ce que les coupables de 34 chefs d'accusation pour falsification et cahier comptable pour être capable bail $130,000 et à Stormy Daniels et vedette porno ça qui t'assemblé te gagner une relation sexuelle amoureuse avec elle et en 2016 je te pense que ça si ça te saute dehors et ben ça t'est capable déranger campagne dans moment que il était non face à face très serré avec démocrate Hillary Clinton donc c'est lâché non seulement lâché silence mais tout il fait c'est des grumelles bien éclairées avec qui a fait guidon Gababzou qui a pas sécurisé des convois de marchandises qui a passé dans zone zayo eh ben c'est comme ça c'est gens de moun zayo même qui a commettre action zayo dans espace côté société là yo et Josia Désir c'est des moun qui vraiment qui belle femme capable dire comme ça oui parce que nous même nous à genoux et c'est gens de moun zayo même qui a fait action zayo Geba moun ta dit Désir et moun dans notre dicton qui dit si yo ceux qui bonne fleur sans odeur parce que action a posé là yo et il pas reflété physiquement moun que nous parce que sinon et comme femme parce que et comme si chemin ligne au prend chemin au prend yo connaît très bien que pas ka belle même physiquement yo ta en forme yo ta comme si goma connaît mais devant je moun k'ap gade yo pas fouti belle vraiment ya et faut que dou côté bien là gon camion qui en panne côté bien là un camion qui en panne mais chargé avec marchandises et camion ça li en panne là chargé avec marchandises et gagné plusieurs qui a sécurisé parmi eux y a une femme qui n'a tête convoi OK une femme qui n'a tête convoi qui a sécurisé camion ça qui comment sécuriser là les camper comme si a sécurisé avec zam nan mais ou bien comment li ça qui li camper li yo camper yo a mettre contrôle yo a sécurisé camion et c'est vrai pas gagné zam nan mais yo mais il a fait il a parlé avec l'autre chauffeur qui a passé parce que camion lui-même en panne il a attendu pour le déplacer pour aller traverser mais espace yo supposé traverser là parce que camion lui-même en panne président Antoine qui je fais dans périmètre côté mon ça travail est-ce que ou font nous dans mitan yo ou échanger avec yo yo comprendre que travail ou a faire ali important pour faire dans mitan communauté qui je ou comme journaliste qui a travaillé dans espace côté qui a gardé yo soit visage découvert qui a traversé camion pendant qu'on est yo fait partie criminel qui a détourné camion marchandise qui pas adhéré avec loi yo et qui entend yo tout parce que yo dit madame ça yo viole les jeunes femmes tout comprendre c'est pas assez pas tout seulement yo viole les garçons yo viole les femmes tout. Yo, pourquoi faire attention?
Désir, mettre à filer de pied, on va connaître si c'est moi-même. Mettre à filer de pied, il y a vraiment difficile pour connaître si c'est Claude Nadier-Antoine, à raison que tu as demandé une pièce pour regarder pour capable non. Parce que moi-même, façon de gérer à terre, il est vraiment, vraiment difficile pour un monde capable de découvrir que c'est moi-même qui c'est Claude Nadier-Antoine. Je dois passer là, me piler, me dire si c'est ton chef. Et puis, malais, mais c'est moi-même Claude Nadier-Antoine. Je suis rentré dans le fond de la yo, je cherche l'information que j'ai besoin. Après ça, moi aller. C'est comme ça, c'est comme ça. Et moi-même, moi gérer la situation, ça, on a l'espace. Et maman de ça, Nadia, puisque les questions que en pile matériel continue à priver, et c'est dans ça que nous apprenons, parce que le conseil Lesti Voltaire dit clairement que ouais pas ouais que conseil apprend, ah, dit conseil. Et premier trèche mission à votre Haïti dans mi-temps mois juin, bien que le président Kenya William Ruto dit pour 3 semaines, bon, bah qu'on est si trompé par rapport avec ça, conseil Lesti Voltaire dit, et puis ça que William Ruto dit, hein. Pour 3 semaines encore, est-ce que toujours il y a des avions militaires ou bien avions commerciaux qui encore cap atterri sous tarmac à l'aéroport international de Vertula? Évidemment, et toujours il y a des avions militaires qui a atterri n'importe tout seul Vertula. Et comme ça tout, il y a des avions commerciaux même qui a atterri tout et dans n'importe là, il y a des avions commerciaux même qui continue à atterri et comme ça tout, il y a des avions avions militaires même qui continuent à débarquer avec matériel pour force multinationale là avec qui toujours dans passage par un monde qui connaît qui l'est à pas qui l'est ou à pas terri dans pays là mais et ben toujours des matériel qui a privé pour force ça lui-même qui dans passage. Merci un peu Claude Antoine, c'est un plaisir pour nous capable de parler ensemble avec vous. On espère que si gagner évolution en termes de formation additionnelle et pas manquer pour capable informer et non. Mais avant qu'il doit aller Claude Nader, qu'a fois au port avec niveau Badelma. Matin là, on va attendre rien et puis en plus tout et petit poste qui qu'a fois au port puisque hier matin tout est allé, tu es présence policier et dans zone ça. Est-ce que matin tu marqué présence policier dans zone et petit poste et Delma et qu'a fois au port là et comment t'as ça hier et comment ça et tout. Jonathan? Oui, nous la blaise. Et non, nous pas remarqué, Josiane, nous pas remarqué, et Mgababzou, présence policière, dans intervalle, et poste qui dans niveau 4 ou 4. Josiane, nous pas remarqué, c'est vrai, hier, il était présent, mais Josiane, nous pas remarqué. Nous pas remarqué, hier, il y a 2 patrouilles qui étaient dans l'espace là, mais Josiane, nous pas remarqué, et la police, dans intervalle, ça va dire 4 fois au port, ou du moins, c'est bon au sous-commissariat. Pardon? Pardon? Mais merci à vous, le Claude Nadier Antoine. C'est ton plaisir, mon frère. Merci à vous. Merci à vous, monsieur. La pouée croisée pour l'autre émission par les pichons. D'accord, merci à Pile, c'était collaborateur, donc Claude Antoine, Désir Venesse, on va avancer. Et sur ce certain, bon, bah, qu'on est image de Kelito, parce que Messi est allé contre avec Kelito, la Moka Jenny. Mais on va avancer parce que m'apprenne que Désir et enterrement haïtien qui était. Alors, monsieur Jude, bon, Jude m'a dit tout non lit. Qui était mouru avec 2 ressortissants américains récemment dans l'ison. Et n'apprend que enterrement funérailles a chanté. Et je n'ai et mardi 28 mai, hein, selon ça que nous apprenons des Evenes. Bon, parce que l'important pour enterrement ou chanter, parce que depuis que nous mouru, depuis que nous avons récupéré le cadavre, il faut que enterrement ou chanter. Mais qu'on y a, qui est-ce que nous allons poser comme balise? Pour suspendre mon mourir en dedans pays pour nous parler des enterrements qui absentent. Et quel que soit mon que quel que soit mon que haïtien, étranger, quel que soit mon que pour mourir dans de conditions ça. Dans quel que soit secteur, dans quel que soit rang, dans quel que soit classe qu'il t'a capable trouver. Nous besoin assumer responsabilité pour nous fermer robinet ça, pour nous suspendre mon mourir en dedans pays. Parce que c'est très difficile. Je sais pas pour l'an mort, démissionnaires américains, les personnes, ils font une quantité de bruit qui montre que les gens qui ont mouru dans le pays d'Haïti n'ont pas jamais important. Ce n'est pas des gens qui ont jamais la vie, ils n'ont pas jamais gagné valeur. C'est ça fait que les Haïtiens qui vivent tout partout à travers le monde, ils ont besoin de comprendre qu'ils doivent arranger de plus en plus pour permettre que la vie haïtienne ait plus de valeur. Consolider ça au gain comme support. Consolider que ça au gain comme valeur, quel que soit côté où vous trouvez. Dans la communauté qui est haïtien qui vit là-dedans. Parce qu'en pile fois, dans nos communautés, nous entendons, nous laissons nous aller seuls. Nous pas entendre pour nous collaborer entre nous, nous permet que la situation vienne 4 fois plus difficile. Non, même ça qui est lié avec la question de la mort et funérailles, soit haïtien qui est mort. Monsieur, il est Jude Montis.
Selon ça, moi, oui. Très bien. C'est vrai que l'enterrement de Montis l'a fait, mais ambassadeur pays les États-Unis en Haïti, Dennis Hankins, lui réagit sous drame qui passait dans l'ison, dans la zone quoi des bouquets. Côté des ressortissants américains, petit la vie, yon semaine passée, et en pile, l'amour yon quoi, gagne justice qui doit faire après sa assassinat de vie à Nathalie Lyon, gang yon, en tant que yon était la vie, les citoyens. Mais pas oublier, gagne sénateur, gagne député, surtout député qui sorti dans l'État Missouri, qui pratiquement prend position yon, pour dire que yon te parlé avec ambassade américaine dans le pays d'Haïti. Pour te dire que yon gagne des missionnaires qui sont en danger. Surtout ces petites des députés qui siègent dans l'État Missouri, qui pratiquement apprécient notre garder dans ce qui est lié avec la loi ou bien garder avec gestion du pays, les États-Unis, qui en danger dans le pays d'Haïti. Mais qu'on y a un pile monde qui a posé cette question, la situation, qui ça permet que les ressortissants ça ont toujours été dans le pays. Parce que les États-Unis ont organisé des vols, soit à travers des avions qui liés avec l'armée américaine, ou bien des vols charter, des compagnies privées qui ont loué des avions pour te faire évacuer ensemble des ressortissants. Est-ce que ensemble des ressortissants ça ou qui t'es été dans l'ison, dans quoi des bouquins, qui ça permet qu'ils aient gagné assurance ça qui fait été dans l'espace ça? Ils ont fait aller venir, ils ont été stable dans l'espace ça. Est-ce que t'es des connexions directes avec le réseau criminel qui dans l'espace ça? Parce que y a un paquet de versions qui dans la rue à Blaise. Qui fait quoi? Soit au terrain les yon groupe qui est le Pierre 6 qui dans l'espace là, soit Pierre 6 est venu, yon t'a tiré coup de balle, yon t'a venu faire appel avec Jeff Canaran, Jeff Canaran vini, et soit mec qui dans mission, qui t'a garanti sécurité missionnaire, tiré coup de balle, soldat Jeff mouri, et puis yon vide coup de balle. Je tiens pour que les miens les rives fait. Et ça vient permettre toutes les personnes. Directeur général, police nationale d'Haïti a dans plus de difficultés, je veux dire. Je voulais que chaque internaute qui a gardé l'état de comprendre ça. En pile haïtien mouri en d'un pays. En pile commissariat écrasé. En pile bureau d'administration publique. Et mettez dit fait piller. Ou par exemple, position, directeur général police nationale d'Haïti actuelle là. Nous voulons parler de M. Franz LB. Mais après des ressortissants au film mourir de la situation, les entendre, les prendre computer ou bien prendre préparer des notes pour montrer que ça qui passait assez malheureux. Et même annoncer qu'il va ouvrir une enquête. Ouvert et on connaît bien qui est qui gouverne diffraction.